Hey, salut, c'est Diablo One et on se retrouve pour le troisième jour de Stranded Deep. Donc bon, deuxième jour, mais fin du deuxième jour qu'on arrivera sur le troisième jour. du coup, on était arrivé à là et je crois qu'on avait un... Ah oui. On avait une hémorragie. Alors, j'ai regardé un petit peu sur Internet rapidement pour essayer de trouver une solution pour me soigner. Le plus simple, c'est d'avoir du tissu. Alors, du tissu, j'en ai pas ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tout. Parce que l'aloe vera, c'est vraiment pas fait pour ça, en fait. En fait, l'aloe vera, c'est plus pour se faire un baume... c'est plus pour se faire un baume contre le soleil. Donc, on va laisser l'aloe vera ici. Ça, je vais le laisser ici aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais essayer de trouver s'il n'y a pas du yucca qui a repoussé. Il y en a là. Non, là non plus. Il n'y a pas de yucca qui a repoussé quelque part. Il y a pomme de terre. Non, il n'y a pas de yucca qui a repoussé. Bon, c'est pas grave. À la limite, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver des palmiers. J'ai pas de... Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de trouver ça. Donc, déjà, je vais prendre ça. Je vais le foutre dans mon truc d'eau parce que je crois que j'ai plus rien dans l'eau. Voilà. Allez, le but, ça va être de faire le plus vite possible pour essayer de survivre. Parce que du coup, sinon... Distributeur d'eau est vide. Oui, je sais, je veux... Ah, voilà. Voilà. Le but, ça va être de faire ça le plus vite possible parce que du coup, plus je vais attendre et plus je risque d'avoir des problèmes hémorragiques. Donc... On va se faire une arme. On va essayer de se faire une arme, une lance, pour pouvoir aller... il y a une lance rudimentaire. Un arc, mais c'est pareil, il me faut des... Ouais, c'est pareil, ça sert à rien. Donc ça, non. Une lance comme ça, non, il me faut du cuir. Non, bon, du coup, on va se faire tout simplement une lance rudimentaire. Tant pis. Mais il me faut une arme au cas où. J'ai essayé de me faire quand même... Une arme pour me défendre. Voilà, ça je vais le récupérer. Ça je vais le récupérer aussi parce que... Merde, ça je vais le récupérer aussi parce que ça peut me permettre d'améliorer mon apnée sous l'eau. Oh, il y a le yucca qui a repoussé. Alors, instant, on se fait des fils. Direct. La ficelle. Direct. Ficelle, c'est important. Je peux plus. Je peux plus. Bon, j'en ai combien là? J'en ai deux, je crois. J'en ai que deux. Bon, c'est pas grave, à la limite. Ouais, c'est pas grave. Je vais juste me mettre là et je vais refabriquer une. Je vais me refabriquer une hache. Ouais, je vais me refabriquer une quand même. Il me faut un bâton, on a dit, pour que je puisse me fabriquer une lance. Allez, faut que je me dépêche là. Faut que je me dépêche parce que sinon, je risque de mourir. Putain, mais j'ai pas de bout de bois là. J'ai pas un bout de bois qui traîne là. Non, j'ai même pas un bout de bois qui traîne. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais casser ça. Voilà, juste un bout de bois et je me fabrique une lance pour pouvoir me défendre au cas où il y aurait un problème. Bien entendu. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il me faut pour me défendre. Je vais garder la ficelle sur moi ou pas? Parce que je garde la ficelle sur moi. Je me fabriquerai bien une nouvelle hache quand même au cas où. Parce que si je vais sur une île et que je tombe sur quelque chose de plus intéressant... il faut quoi? Il faut un fil, je pense, non? Ouais, c'est ça, un fil. Une ficelle, j'en garde une pour me faire un bandage. Ouais, je vais m'en fabriquer une autre. Allez, une pierre. Deux pierres. Et du coup, ici. Et voilà, j'en ai une autre au cas où. J'en ai une à terminer.
Ok, je vais prendre les coffres que j'avais. Je vais prendre les coffres avec moi et on va aller sur une autre île. On va aller sur celle là-bas. Ou sur celle-là. Non, celle-là, je la sens pas. Ou sur celle-là là-bas. Non, je sais pas. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? C'est ça que j'ai besoin. Ils sont tous vides, normalement. Ouais, ils sont tous vides. Allez, c'est parti. Je les prends avec moi. Ça m'en fait 3. Ça m'en fait 3. Je vais mettre là-dedans. Je vais mettre... Non, c'est là, putain, je suis con. Je vais mettre la ficelle dont j'ai besoin, mon couteau, ma lance, et ça, je vais le garder. Voilà, et ça, je vais le déposer ici. Tant pis, je vais la manger. Au moins, je serai à fond en eau, en nourriture. Je vais aller dans la direction de ma maison. On va pas aller sur celle-là, on va aller sur celle qui est vraiment en face de la maison. Donc soit celle-là, soit celle-là. Allez, on va aller sur celle-là là-bas. Ah putain, puis la nuit elle tombe, super. Ça a pas l'air d'être une île... Ah si, il y a un crabe géant je crois. Ouais, il y a un crabe géant, bon c'est pas grave, ça nous fait à bouffer au moins. Viens là toi. Mais non. Voilà. Du coup, je vais prendre ma lance, du coup. Ma lance et mon couteau. Et le reste, je vais le laisser ici. Je vais le laisser au pied du bateau. Ouais, on s'en fout, peu importe le sens. Prendre ma lance déjà. Y'a moyen de niquer sa race comme ça ou... Ah, il se casse. Ah, il a peur. Ouais, il a peur. Ouais, trop bien. Ça, c'est bien parce que c'est de la bonne bouffe en plus. C'est des gros morceaux, je crois. Trop bien. Bon, ça, c'est bien. Ça, c'est ok. Super. Bon, le petit, on s'en fout. Là, y'a un truc, là. Oh. Oh, du tissu. Il était bien lui. Et il s'est fait un bonhomme. Comme dans... Comme dans... Je crois que c'est avec Tom Hanks là. C'est... Merde, comment ça s'appelle? Robinson Crusoe? Non, c'est pas ça. Pas ça le nom, je sais plus, je regarderai après. Il faut absolument déjà que je me soigne. Et une fois que je me serai soigné, pas de soucis. Voilà. Parce que là, ouais, l'hémorragie continue. Donc là, je me suis fait mon bandage. Il est où? Super. Voilà. Donc là, j'ai plus d'hémorragie normalement. Voilà, parfait. En bonne santé, parfait. J'ai plus d'hémorragie. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a des lampes. Bah du coup, je vais prendre une lampe. Parce que ça peut être intéressant. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on peut faire quoi avec lui? Bonjour. Il fait quelque chose ou il fait rien du tout? Non, il fait rien du tout. En fait. Un ballon de volleyball souriant et chevelu. Formidable. Ok, bah formidable. Eh bah écoute.
On va le... Tu surveilles la... Non. Tu surveilles la, la marchandise. Ouais, enfin, il tient pas vraiment debout, Wooly, hein. Wow. Voilà, comme ça. Bon, Wooly, si t'es trop chaud, je te jette dans l'eau. Hein. Bon, tu restes là, tu surveilles. Moi, je reviens. Je vais aller explorer cette île. Je vais aller explorer cette île. Mais avant d'explorer l'île, vu que maintenant on est là, au pire, et que de toute façon on va passer la nuit ici puisque je ne peux pas dormir, autant, autant faire les choses bien. Donc on va faire un feu de camp. On va se faire un feu de camp. On va se foutre... on va se foutre un feu de camp. On va se foutre un vrai feu de camp, pas un faux feu de camp. Voilà. Je vais essayer... De toute façon, je vais récupérer le plus de trucs possible. Il y a beaucoup de crabes, hein. Ok. Voilà, un vrai feu de camp. Le reste de la pierre, je vais la garder. Ici. Il me faut du bois. Un morceau de bois, un morceau de bois. Voilà, un morceau de bois. Pour alimenter le... Faire du petit bois avec. Faire petit bois, là. Comment on fait le petit bois? Comme ça, là. Voilà, petit bois. Et puis on va explorer l'île et puis on va essayer de chercher des ressources qu'on pourra ramener. Voilà. Bon, vu que, étant donné que c'est très long normalement à faire. Ah, c'est une hache perfectionnée en plus. Waouh, trop bien. Étant donné que c'est très long à faire le, les trucs là, on va, je vais laisser certains trucs ici. Par exemple, la viande. Hop. Et le reste, je vais le garder et je vais aller explorer un petit peu. Ce que je vais avoir besoin. Alors ça c'est un piège. Ça c'est un putain de piège. Parce que si tu marches dessus t'es empoisonné. Et après t'es dans la merde. C'est la galère en plus. Une fois que t'as marché dessus. Je vais prendre aussi les trucs là. L'aloe vera je vais la prendre. Ça aussi. Je vais faire le tri sur tout ce que je prends. Je vais tout ramener sur l'île ici. Et puis je vais faire le tri forcément. Aloe vera. Plaque en tôle. Planche de bois. Ça, la plante. Ça va ici. Les cailloux. Déjà les cailloux je les prends, ça c'est sûr. On en profite, on fait le tour de l'île, comme ça on peut récupérer des matières, les matières premières qui vont nous intéresser. Par exemple, ça, les matières fibreuses, vu qu'on en a jamais sur notre île et que ça m'a fait péter des plombs l'épisode juste avant. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Que ça m'a fait péter des plombs juste avant, je vais récupérer tout ce que je peux ici. Histoire de vraiment en avoir le plus possible pour avoir du, de la ficelle vraiment attaquée. Comme ça au moins... Comme ça, au moins, je serais tranquille. Déjà, je serais pas emmerdé avec la ficelle. Parce que ça, franchement, c'est vraiment un truc à la con. Le bois, bon, le bois, à la limite, je le prendrai en dernier. J'ai récupéré ce que je peux récupérer, genre pierre. Oh, un autre crabe géant. Oh, je crois qu'il est bugué. Ah bah, parfait. Allez, hop. Tiens, vilain. Ouais, hop.
Je te donne un bout de viande, Willy. Ah. Oh. Je pense que je vais raser l'île, hein. Je vais enlever tout ce qu'il y a et puis je vais ramener ce que je peux ramener, ce que je peux pas le ramener, bah je le laisse et puis, voilà, les pommes de terre je vais les prendre. C'est dommage parce que du coup j'ai pas de pioche, parce que du coup il y a des pierres à récupérer, enfin, il y a du yucca à récupérer là. Voilà, comme ça. Là au moins, je manquerai pas de ficelle, hein, je vous le dis. Hein. Les planches. Enfin, pour faire des bouts de bois là. Hop. Ça, c'est parfait. Je vais vraiment désosser l'île. Hein. Je vais enlever tout ce que je peux sur l'île pour pouvoir vraiment avoir le maximum de ressources à la maison. Et être tranquille. Parce que j'ai plus envie de manquer, enfin d'avoir des problèmes comme ça avec des ressources que je peux plus avoir une fois que je les ai démontées. Donc comme ça au moins ça c'est fait. Ça c'est fait. Oh, c'est quoi ça? Ah bah c'est le bateau. Ouais, c'était le bateau, ok. Ok, c'est bon. C'est le bateau avec le cadavre. Ok, donc ça c'est bon. Les bouts de bois. Donc les bouts de bois, je vais les déposer ici. Voilà. Les pommes de terre, je vais les mettre là. Les matières fibreuses. Voilà. Faire le tri et seulement une fois le tri fait, on verra comment on fait. Je peux pas prendre Wooly et le mettre autrement. Ah voilà, comme ça. Comment ça va Wooly? Tu vas bien? Je pense pas qu'il va répondre, mais... on sait jamais. Ok, bon, on est pas mal, il faut juste la soif, mais on rentrera de toute façon, donc y a pas de problème. Normalement, chez nous, c'est par là. Ou par là. C'est une des deux, de toute façon. Mais je crois que c'est par là. On va continuer à récupérer les cailloux et tout. Le jour va pas tarder à se lever. On peut récupérer, on le récupère et après comme ça on ramène tout à la maison. On sera tranquille, on aura récupéré pas mal de matière. Bon, désolé pour le monsieur du coup. Il a dû bien s'ennuyer. Je vais vraiment récupérer tout ce que je peux sur l'île. Je vais remplir au taquet mes coffres. Attention au poison. Je sais pas s'il y a des... Étonnamment, il y a l'air de rien avoir. Étonnamment, il y a l'air de rien avoir ici. Il n'y a pas l'air d'avoir d'épave ou quoi, donc... je sais pas si c'est normal, mais... Ah si, il y en a une là-haut. Ah si, il y en a une là-haut. Alors peut-être que quand le jour va se lever, j'irai peut-être jeter un œil quand même, parce que j'ai pas envie de partir et de louper quelque chose s'il y a peut-être... C'est peut-être quelque chose d'intéressant pour construire par exemple un bateau ou construire un moteur ou un truc comme ça. Je sais pas encore, mais je vais pas louper ça. Je vais essayer de pas louper ça. En tout cas. Ah, merde. C'est quoi? C'est le bois? Ouais, c'est le bois. Ok, là, les planches. Voilà les planches. Là on a encore une plante comme ça. Et ça ici. Bon, je pense que là la viande est... Elle est bien. Elle est bien.
Les petites pierres. Les rochers, ça, il va m'en falloir beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour ça, vaut mieux en prendre le plus possible. Ça, c'est pareil, il va m'en falloir beaucoup. Donc ça, c'est bon. Allez, allez, il y en a plein d'autres, là, c'est pas possible qu'il y en ait qui que ça, là. Voilà. Ok, il n'y a que deux yukai, il n'y a que deux arbres. Ah non, il y en a trois, mais j'ai déjà récupéré, ok. Ok, ok, ok. Bon, bah, c'est pas mal, on a déjà récupéré pas mal de trucs. Je vais récupérer encore un peu de bois comme ça, là. Si je peux le récupérer, autant le récupérer. On sait jamais. Ok. Ça pour faire un radeau, ça va être pratique aussi, donc ça c'est un grand. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas les stocker plus que par 4 en fait. C'est pas par 4 maximum, donc c'est vraiment dommage parce que ça donne pas beaucoup de possibilités en fait. Ok, je suis déjà plein. Bon, on va faire les tri dans les coffres. De toute façon, ceux-là sont vides. Et ceux-là... Ok. On va faire comme ça. Comme ça, celui-là est vide. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va commencer à trier un petit peu. Voilà. Alors, on va trier un petit peu. Déjà, les matières fibreuses, c'est sûr et certain... Ça, je passerai pas à côté. Je vais les récupérer tout de suite. Et je vais tout foutre dans un coffre. Par contre, il faut que je lâche. Il faut que je les lâche, sinon, elle sera pas prise en compte. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, je vais prendre les deux feuilles là et je vais les foutre dedans avec. Voilà, celui-là est déjà plein. On le laisse là. Ensuite, je vais prendre... Ensuite, je vais prendre ça. Ça. Et ça. Et je vais le foutre dans un coffre, les trois. Hop. Bam, 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 bam. Voilà, celui-là, il est plein. Bon, il n'est pas plein, c'est dommage. Mais au moins, il y a tout ce qu'il faut dedans. Voilà, ça, c'est bon. Ensuite, il reste les deux là. Bah, ça, c'est simple. De toute façon, les pierres, j'en ai besoin. Parce que j'en ai pas beaucoup, donc autant prendre tout ce que je peux. Hop, et puis c'est pareil, au bout d'un moment, j'en aurai bien besoin. Donc si j'en trouve deux autres, c'est bon. Et puis les bâtons, alors les bâtons, je vais les prendre aussi. Je pourrais pas tout prendre, hein. Je pourrais jamais tout prendre, ça c'est sûr. Voilà, je pourrais pas tout prendre. Voilà, donc là les coffres ils sont blindés. Celui-là, il y a quoi dedans? Un filtre et une batterie. Et une torche. Bon, le truc c'est que la torche, je l'ai déjà, tu vois. Donc, à la limite, ce que je peux faire, c'est la mettre dans le... Voilà, la mettre ici. Je vais mettre même la ficelle ici avec. Voilà, comme ça, ça au moins je le perds pas déjà. Et puis je vais mettre aussi Wooly. Je vais mettre aussi Wooly dans le bateau. Voilà.
Bon, du coup, il faut que je réfléchisse. Est-ce que j'ai bien tout pris? Est-ce que j'ai bien tout ce qu'il faut? Je pourrais récupérer encore deux pierres. Donc je vais essayer de trouver deux pierres. J'en ai déjà trouvé une. Si j'arrive à récupérer une deuxième, on est bon. Une deuxième. Ok, bon, on est bon. Bon, c'est pas trop mal, on est bien. On va essayer de se barrer. Ou alors j'attends que le jour se lève et je fais vite fait les trucs, je sais pas. Après, je peux revenir, hein. Dans tous les cas, je pourrais revenir, mais ça, c'est la bonne en plus. Ouais, okay. Ça, c'est mes outils, donc mes outils, il va falloir que je les récupère. La lampe torche, à la limite, je peux la mettre avec celui-là. Comme ça, j'ai les deux là. Du coup, les coffres, il va falloir que je les récupère. Et j'ai encore une place. Donc j'ai encore une place, il me reste une place dans le bordel. Donc à voir. D'ailleurs bah tiens, il y a un coffre là-bas. Je vais peut-être récupérer celui-là du coup. Oui, du coup je vais le récupérer. Hop. Alors je vais essayer de mettre ça dedans. Parce que du coup ça je vais forcément m'en servir aussi au bout d'un moment. Bon, s'il y en a une en moins, c'est pas grave. Par contre ça, ça m'intéresse. Parce que j'en ai pas eu beaucoup des trucs comme ça. Bon. C'est pas grave. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre les caisses. J'en ai suffisamment. Voilà. J'ai suffisamment de caisses. Je vais rester comme ça. Et puis je vais partir tranquillement. Et au pire des cas, je reviendrai. Au pire des cas, je reviendrai sur l'île. Putain, là je suis blindé, je vais pas chercher à aller plus loin, c'est pas la peine. Alors, on se retrouve après. Et voilà, on se retrouve sur la plage. Et ben c'est parfait, les yokai, ils ont repoussé, j'ai l'impression. Ah non, c'est les palmiers, j'ai confondu. Mais c'est bien, il y a des palmiers qui ont poussé, donc c'est nickel. Donc ça, c'est parfait. Bon, du coup, on va poser tous les coffres qu'on a trouvés. Et on va les poser ici.
Voilà. Donc c'est bien, on a ramené plein de matière. Donc c'est génial. Pour le coup, ça c'est cool. Et du coup, chez nous, en plus, il y a des trucs à repousser un peu. Donc c'est d'autant bien. C'est encore mieux. Il y a le yokai qui a repoussé. Je vais tout de suite enlever le yokai comme ça. Je suis tranquille. Et je pense que le troisième jour va bientôt sonner. Je pense d'ailleurs que quand je ferai des traversées comme ça, je vous couperai le moment où je traverserai la. Au moment où je traverserai la mer pour gagner du temps. Et si jamais il m'arrive quelque chose, je couperai pas. Mais s'il y a rien, s'il n'y a pas de. Si voilà, si je traverse, c'est pas forcément utile de garder ça. Donc je verrai. Je verrai comment je ferai. On va ranger un petit peu le truc aussi parce que ça devient n'importe quoi. Bon, c'est bien, on a des pommes de terre. Donc voilà, on est au troisième jour. Donc on va s'arrêter ici pour le troisième jour. Hop, on va retourner près de la maison. Hop. Voilà, je vais m'arrêter là pour le troisième jour. Donc là, prochain jour, on partira sur une autre île. On va essayer d'aller. Donc nous, on a été sur celle-là là-bas. On va essayer d'aller sur celle-là, tiens, ou celle-là. Celle-là, elle me plaît bien, celle-là, tiens. On va essayer d'aller sur une autre île. Comme ça, on va essayer de récupérer ce qu'il y a dans les coffres. Essayer de récupérer le plus de matière possible pour pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus grand et puis pouvoir construire un bateau pour pouvoir naviguer beaucoup plus loin. Voilà, les amis. Bon, écoutez, je vous abandonne ici. N'hésitez pas. Je vais juste ranger en même temps les accessoires. Voilà. Comme ça, on a plein de matières fibreuses. Ça, c'est cool. Voilà, on se laisse sur cet épisode. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, dans la description, vous avez plusieurs liens. Le lien Twitch pour me suivre sur ma chaîne. Vous avez aussi le lien Discord pour rejoindre mon Discord. N'hésitez pas à cliquer dessus. Vous avez plein d'infos sur le Discord. Il y a plein de petites choses. Je fais des petits trucs sympas. N'hésitez pas à aller voir. Et puis le petit lien Instant Gaming affilié comme d'habitude. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. N'hésitez pas. Petit pouce bleu, commentaire, petite cloche. Et puis on se retrouvera pour l'épisode numéro 4. À bientôt. Tchou tchou.